sabroso. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que te cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Non, je ne fais plus de chirurgie maintenant. Je ne veux pas qu'il arrive la même chose qu'à Norberto. Et d'accord, je t'appellerai mon cœur. Camille, Ne t'approche pas de moi, Mario. Tu es un fauteur de troubles, un voyou. Pardon ? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Écoute, Alejandro est l'homme le plus gentil du monde. Ah ouais ? Eh bien, c'est parce que tu ne l'as pas vu embrasser une autre, hein ? Ce n'est pas vrai. Je n'ai aucune preuve que ça se soit passé. Ah non ? Ou c'est que tu n'as tellement pas confiance en lui que tu t'es donné permission de le découvrir ou quoi ? Ah, écoute, Mario, ne t'approche pas de moi, c'est compris ? Oh, eh bien, je voulais seulement te dire que j'étais en train de penser que je ne sais pas comment faire pour t'inviter à sortir, ou même se faire un très bon restaurant, et j'ai adoré coucher. Ouf, Mario, va-t'en, laisse-moi tranquille. Attends, bref, de toute façon, bon, je t'appellerai ma reine, d'accord? Bye. Tout a été enregistré? Oui, tout, enfin, tout sur une seule caméra et un seul plan. Mais, non, oui, vraiment tout, et le plus délicat, c'est que le docteur Camilla... Oui, elle posait des questions à propos du matériel. Et pourquoi? Comment ça? Elle voulait le vent, mais qu'est-ce que j'en sais, docteur, l'instinct féminin, que certains appellent l'intuition et d'autres encore le sixième sens. Le fait est que, docteur, j'ai pu m'arranger afin qu'elle ne puisse pas visionner tout l'enregistrement. Tout ça pour vous dire que c'était délicat. Mais voilà, et rassurez-vous, c'est la seule copie, docteur. Vous êtes sûr que c'est vraiment la seule copie? S'il y avait quelque chose en plus, je l'aurais supprimé, à moins que ce soit dans votre intérêt, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que nous allons l'y obliger? Eh bien, je ne sais pas, Rosora, mais ils vont la faire dormir. Ils vont lui faire une de ces injections-là pour la rendre inconsciente et alors il faudra l'opérer de force. Tu es vraiment idiot, hein? Tu sais que c'est impossible. Alors quoi, Rosora? On va laisser la santé de maman se détériorer ou quoi? Non, madame. Moi, sans maman, je ne suis rien. Les mamans devraient être immortelles! Tu sais quoi, tu as bien raison. Pas que les mères devraient être réellement immortelles, parce que seul un immortel a le droit d'être au paradis. Mais nous devons faire quelque chose et rapidement, Javier. Ce ne sera pas facile connaissant l'entêtement de notre maman. Écoute, je n'aurais jamais cru dire ça, mais pourquoi tu ne reviendrais pas revivre à la maison? Oui, Rose. Là, ça risque d'être un tout petit peu compliqué parce que tu vois, évidemment, je me fais du souci pour elle, Rosora, mais là, ce sont deux choses très différentes. Tu Javier, vois, il faut comprendre, des c'est... sacrifices. Tu sais ce que c'est, ça? Montre-lui que tu l'aimes et que tu tiens à elle. Compris? Eh bien, écoute, imagine pour un moment que maman te voit et elle se rappelle à quel point tu es maladroit et inutile. Et donc que c'est mieux que tu reviennes vivre ici. Oui, bon, tu as raison sur ce point. Tu ne serais pas en train de m'insulter, Rosora? Eh bien, fais gaffe. Fais gaffe, parce que tu sais, j'ai très bien compris. Bien sûr, compris. Ma petite maman... Reviens. Je n'ai toujours pas réussi à oublier. Mon cher petit Tomakito. Mais mon ami, entre vous, il n'y avait rien. Eh bien, peut-être pas dans la réalité, c'est vrai. Mais dans ma tête, tu sais, dans mes fantasmes, nous avions tout. Mais tout, et je ne peux pas arriver à l'oublier. Je ne peux pas. Vous avez acheté ce que je vous ai demandé? Courez voir, j'ai besoin que ce cadeau arrive à destination aujourd'hui. Vous comprenez? Allez-y. Thank you.
Bonsoir, mon amour. Comment tu vas? Fais-moi présent comment il a fait de nous. Bien, super. Tu n'as pas idée. Nous passons un super moment. Wouhou! Mais tu sais quoi? Tu pourrais aller ailleurs pour en parler, je t'entends pas. Aïe, mon amour, excuse-moi, c'est vrai. Il y a plein de bruit avec la musique, les gens. Mais mon cœur, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre? Non, tu sais très bien que je n'ai rien à faire là-bas. Et en plus, avec cette musique, je vais m'endormir en 2 minutes. Ah, mon amour, t'es vraiment un petit vieux, toi. Kenna, t'es vraiment superbe aujourd'hui. Ah, celui-là, c'est qui? Un de tes amis de l'université, c'est ça? Ceux qui sont lourds, ces mecs, non? Toujours en train de flirter. Ah, mon amour, tu aurais tout compris si tu étais avec moi. Tu n'imagines pas les beaux vêtements que j'ai choisis tout spécialement pour toi. Mais voilà, tu n'as pas voulu. Comment ça? Qu'est-ce que tu portes? Attends un moment, je t'envoie une photo pour que tu... Et puis je lui envoie une photo de ce que je porte pour qu'il voit combien je suis belle. Non mais... Attends, Tati, mais comment est-ce que tu peux oser porter ça? Et ça, ce n'est pas ce qu'on... Pour aller peut-être pas pour sortir dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, non, attends, s'il te plaît, je te parle sérieusement. Non, mon amour, il y a trop de bruit. Écoute, je serai là jusqu'à tard si tu veux venir. Sinon, eh bien, tant pis, je t'aime, salut. Tati. J'adore quand il devient aussi jaloux. Mais qu'est-ce qui me fascine, cet homme? Tati, tu vas finir par tuer ce dinosaure avec autant d'adrénaline, sérieusement? Il me fait craquer, il me rend folle. Allez, allons danser. Il semble vraiment m'aimer, je le sens, tu sais. Il est tellement gentil avec moi. Tu veux me chercher à boire pendant que je... C'est un homme exceptionnel. Merci. Allez, amusons-nous. Encore et encore, tu as tout santé. Allez, santé. Allez, recherchons Luz Elvira Maldonado. Eh bien... Expérience en tant qu'administrateur d'entreprise dans le secteur brun. Mamaka, désolée, je te dérange. Ah non. Entre donc. Entre et dis-moi ce qui se passe. Rien. Je voulais te dire 1000 fois merci d'être aussi présente pour ma maman. Tu es adorable. Surtout avec tout ce que tu as traversé. Merci. Je t'en prie, mais enfin, Tati Esther est comme ma maman, Rosora. Tu le sais. Mais quand même, je veux te dire autre chose. Oui, te dire que ton petit docteur, Alejandro, est un grand médecin. Autre chose, avant de partir, je vous demanderai de bien vouloir laisser sur mon bureau le cinétique des patients que je garde. Ah oui. Je vais les étudier ce soir. Pas de problème. Aïe, et puis mince. Pourquoi mince? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que j'ai oublié que j'ai dit au docteur que j'irai déposer moi-même tous ces dossiers médicaux ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ne sors pas comme ça, tu vas attraper froid, Macarena. Mais voyons, qu'est-ce que c'est, non, ça? Non, mon Dieu. Non, mais c'est que je ne reviens pas. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Non, mais là, il est vraiment trop tard. Tu feras ça demain non, matin. Non, mais comment attendre jusqu'à demain matin? Non, il a dit qu'il en avait besoin ce soir parce que ce soir même, il veut les étudier. Il a dit que c'était très important. Et quand lui, il dit que c'est très important, c'est que c'est très important. Non, mais quoi, le petit doc n'est jamais fatigué, lui. Il a besoin de se reposer. Il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas ou quoi? Oui, il y a un peu de ça, un peu de ça. Non, mais alors tu n'as qu'à l'appeler et lui dire que ce sera pour demain. Tu as oublié? Ah oui, je vais lui dire. La seule fois où vous m'avez demandé une faveur, bien, j'ai oublié. Avec tout ce qu'il a fait pour moi. Non, Rosa. Macarena, il est vraiment trop tard. Non, je ne peux pas lui faire ça. Je dois y aller. Comme ça. Mademoiselle, revenez ici. Habillée comme ça, pas question. Messieurs, je passais en revue le rapport de cette semaine et nous avons perdu 45 souris dans le secteur B. Alors nous allons changer la formule chimique que nous leur avons administrée. Et nous allons diminuer la dose dans le secteur A. C'est compris? Oui, monsieur. Dites-moi, Macarena. Doc, bonsoir. Doc, je suis désolée, je n'ai pas fait attention et j'ai ramené les dossiers médicaux chez moi. Mais je vais les déposer chez vous maintenant, d'accord? Non, écoutez, ne vous en faites pas, je ne sais pas à quelle heure je rentrerai chez moi. Ah, parce que vous n'y êtes pas? Je suis au laboratoire, Macarena, parce que j'ai une urgence. Ah, Doc, mais je suis déjà en route. On fait quoi? Et si je les laissais avec le gardien de nuit? Non, attendez. Connaissant ces gardiens, non, s'il vous plaît. Faisons ceci. Allez vous-même les quitter chez moi. Dans l'entrée principale, il y a un tapis. En dessous, il y a une clé que je laisse en cas d'urgence. Tu sais que je ne suis pas doué pour ces choses-là. Mais j'ai eu envie de t'acheter ce petit présent, c'est ma façon à moi de te dire ce que je ressens pour toi.
Je suis venu simplement voir Tatiana. Attendez, je suis là pour Tatiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bien. Pardon, Tatiana, Tatiana. Tatiana. Hey, regardez, c'est le père de Tatiana. Hey. Un peu de respect, un peu de respect. Tu passes. C'est ça? Non, non, je suis très contente. J'ai seulement vu 1, 2, 3, 4, 5, 5 verres. Oh non, amour, non, ne sois pas un vieux rabâche-moi, je t'en prie. S'il te plaît, qu'est-ce qu'on avait décidé? Nous avions décidé que, oui, que nous partagerions nos passions, nos intérêts l'un et l'autre. Écoute, je veux que tu fasses partie de mon monde comme moi, je ferai partie de mon petit cœur. Allons, ne sois pas ainsi. Tu arrives toujours, toujours à avoir ce que tu veux. Oui, bah oui, tu sais. Oui. Tu veux un verre? Eh bien, un seul, pas plus. Très bien, très bien. Au début, je soupçonnais Alejandro des pires trahisons, merci. Mais après avoir vu de mes propres yeux qu'en fait c'est faux, que je n'avais vraiment aucune raison de le faire. Et aujourd'hui, il vient me voir avec ses lunettes et ce mot. Ça ne peut que vouloir dire que mes soupçons étaient bien fondés. Mais Camille, qu'est-ce qui ne va pas avec ces lunettes? Elles sont magnifiques. Eh bien, tout montre que ça va mal, Marcy. Un cadeau comme ça, sans aucune raison de la part d'Alejandro, ne veut dire qu'une chose. Tu vois, c'est que je vais bientôt le perdre. Non, 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 Camille. Alors là, je ne comprends rien. Écoute, Alejandro n'a jamais, jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. Non? Jamais. Ni une seule fleur, ni un petit message, ni même une carte, ni un cadeau. Rien, rien. Alejandro est un bon petit ami, mais... il n'est pas romantique. Oui, et ça correspond à sa personnalité. Il est si froid et si sec. Eh bien, tu comprends pourquoi je réagis ainsi? Aujourd'hui, il arrive, avec ce mot d'amour et ses lunettes, deux cadeaux en une même journée. Non, mais vraiment, ça ne peut seulement signifier qu'il se sent vraiment coupable pour se comporter comme ça. Eh bien... eh bien, rien, Marcella. Dis-le que tu le sais. Allez, rendre à une autre femme. Et il se sent tellement coupable que c'est pour ça qu'il décide de m'offrir des lunettes. Non, je voulais seulement te demander si tu voulais un petit mouchoir. Je les ai tous finis. Ah, chérie. Mademoiselle Luz Elvira Maldonado a vécu toute sa vie durant dans la capitale. Elle a épousé un homme appelé Ernesto Pacheco. Et jusqu'à tout récemment, elle travaillait dans une banque. Oui, patron, c'est exact. Elle a travaillé dans la même banque où a travaillé le mari de Mademoiselle Macarena González. Non, pas question. Je ne sais pas comment tu vas faire, toi. Mais je ne partirai pas de cette maison, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 8 jours, tu m'entends? S'il te plaît, Elvira, mais tu dois partir. Oui, avec un gosse dans mon ventre, sans un sou, j'irai où, dis-moi? Non, mais pourquoi nous ne nous réjouissons pas que tous les problèmes avec tes cousins ne nous aient pas causé plus d'ennuis que ça, hein? Pas la peine de compliquer les choses. Tu crois que toi, tu vas t'en sortir, toi, et abandonner la pauvre idiote que je suis? Non, monsieur. Chut, s'il te plaît, Luz Elvira. Mais tu sais, petit poney, pourquoi est-ce que je dois toujours, moi, mal finir dans toutes les situations où je me retrouve avec toi? J'ai dû passer toute la nuit en cellule. Et en plus de ça, tu veux que maintenant je m'en aille la queue entre les jambes? Non, monsieur. Ne rendons pas les choses plus difficiles, Luz Elvira, je t'en supplie. Non, celui qui fait le difficile, c'est toi, mon petit chéri. Je ne sais pas comment tu vas faire, et je ne sais pas ce que tu vas faire bientôt, mais moi je reste ici dans cette maison à tes côtés, ou sinon... Ah, tu vas encore me menacer. Pour la énième fois, tu vas me menacer. Oui, je te menacerai autant de fois qu'il sera nécessaire. Je ne sais pas, mais si tu fais pas ce que je te dis, alors je n'hésiterai pas à ouvrir ma grande gueule. Et je dirai à ta petite reine, sans mâcher mes mots, que ce bébé, que j'aurai très bientôt, est le tien. Non. Et que toi et moi, nous sommes amants. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Si j'en suis capable. Tu ne trouves pas que c'est plutôt étrange qu'ils travaillaient dans la même banque et qu'en plus de ça, ils soient cousins? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Martinez? Eh bien, patron, très bien. Essaie de m'obtenir un rendez-vous à la banque. Je pense qu'on pourrait trouver quelque chose là-bas. Que je m'apprête à te dire, non pas parce que je suis ivre en ce moment, plutôt parce que je t'aime, parce que tu es ma bonne amie.
Écoute, ne te prends pas trop la tête avec ces vidéos. La vérité, crois-moi, tout ça n'est qu'une perte de temps. Et pourquoi ? Ce ne sont pas les vidéos, Marcella. Ce sont les faits. Écoute, d'abord, on m'a dit qu'il y avait Alejandro en train d'embrasser... Quoi ? En train d'embrasser ? Mm-hmm. Qui donc ? Qui donc est-ce qu'il embrassait ? Qui ? On ne m'a pas hein dit. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qui te l'a c'est dit ? Bien un petit oiseau qui me l'a dit, c'est tout. Mais je peux te raconter ce qu'il m'a dit, mais je ne te dirai pas qui c'est. Ah oui, un petit oiseau. Un petit oiseau qui porte une petite jupe bleue, mm-hmm, une veste tout aussi bleue, et en plus avec de longues jambes magnifiques. Un petit oiseau qu'on appellerait une secrétaire. Non. Ah, et ma jolie, tu ne peux pas entrer dans leur jeu à ces secrétaires, tu le sais bien ça. Eh bien, alors dis-moi, c'est quoi tout ça ? Premièrement, cette rumeur ? Ensuite, les lunettes et cette carte-là ? Non, mais vraiment, ça ne peut pas être une coïncidence. Ah, d'accord, allez. Oui, calme-toi. Détends-toi un peu, d'accord ? Que ton petit ami ait eu envie de t'offrir une paire de lunettes magnifiques et branchées, ça ne signifie pas pour autant qu'il a une maîtresse. Mais non, ça, écoute. Un moment. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'une maîtresse ? Tu sais c'est qui la maîtresse ? Elle s'appelle Boulot. Est-ce qu'au lieu de rester assise là à bavarder comme de vraies pies, pourquoi tu ne vas pas retrouver ton petit ami et le remercier pour cet adorable et si beau cadeau qu'il t'a offert, non ? Tu crois ? Bien sûr que oui. Écoute, je vais te dire une chose. Non, ce n'est pas agréable de vivre en pensant du mal de son petit ami. Et aussi de ne pas avoir confiance, de toujours être sur la défensive. Une chose est sûre, ça ne mènera jamais à rien. Tu vois ce que je dis ? Dites-moi ce qui se passe, Macarena. Rien. J'ai tout fait comme vous me l'avez demandé. J'ai pris la clé pour entrer, mais voilà. Il se trouve que vous n'avez pas désactivé votre alarme. Oh, l'alarme, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas prévenu. Oui, je suis donc ici avec des hommes qui ne me croient pas quand je leur dis que vous m'avez donné la permission d'entrer. Et maintenant, ils veulent m'emmener au poste de police et tout. Écoutez, calmez-vous, je me mets en route tout de suite, d'accord ? Il dit qu'il va arriver. Ça va aller, mademoiselle. Si c'est nécessaire, nous pouvons tous rester ici, à passer la nuit avec vous. N'est-ce pas, monsieur l'agent ? Docteur, merci. Et encore une fois, je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Très bien. Chérie, Alejandro ! Attendez, docteur. Docteur, non. Non, le docteur n'est pas là. Mais comment ça, il n'est pas là, Louisa ? Il m'a dit qu'il serait là toute la nuit. Il m'a dit la même chose, et quand je suis venue le chercher, il n'était pas là. Merci, Louisa. Bonsoir, madame. Est-ce que mademoiselle Macarena Gonzalez serait là ? Qui la demande à cette heure-ci ? Patricia. Patricia, une infirmière de la clinique. Parce que figurez-vous que nous avons une urgence terrible. Et je n'arrive pas du tout à joindre le docteur Alejandro Polido. Et comme c'est sa secrétaire, alors j'ai pensé que... qu'elle pourrait peut-être me dire où est-ce qu'il se trouverait. Eh bien non, elle n'est pas à la maison, mais... justement, elle m'a pourtant dit qu'elle allait chez le docteur. Vous êtes sûre de ça ? Pourquoi ? Il ne répond pas ? Non, il ne me répond pas. Pourquoi vous ne faites pas ceci ? Appelez-la, parce que je crois qu'ils sont ensemble. Allô ? Mademoiselle, pourquoi vous ne l'appelez pas sur son portable ? Mentiroso no soy. Yo tenía razón. Nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas. Quiero que
me alejo.